Je ne dirai pas mes attentes ni mes espoirs, mais surtout, je donnerai mon avis quant à ce qui devra être fait pour sauver ce pays qui est presque au bord du gouffre. Le conflit que nous vivons aujourd'hui, c'est un conflit né des élections. Certains disent, bon, disons, la partie gouvernementale dit que les élections ont eu lieu bel et bien et que donc on n'y touche pas. L'opposition qui est à l'extérieur dit que les institutions sont illégitimes, qu'il n'y a pas eu d'élection et que donc il faut une transition pour préparer de nouvelles élections. Et avoir le climat des relations entre le Burundi et la communauté internationale, on ne peut pas vraiment passer outre et dire que les choses tournent à merveille, mais la triste réalité est bel et bien là, c'est que le Burundi est de plus en plus isolé. Faudra-t-il laisser les événements continuer comme ils sont maintenant et aller jusqu'au bout de l'isolement? Je vous dis que non. D'où que je pense qu'une solution intermédiaire serait qu'on organise des élections inclusives, transparentes et sécurisées, et que ces élections-là puissent mettre un terme à ce conflit né des élections qui devrait se dérouler à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août de l'année dernière. C'est une solution qu'il faut quelque part mûrir. Et là, j'invite toutes les parties burundaises à faire leur cette proposition, parce que ce qui importe, ce ne sont pas les intérêts sectaires, égoïstes ou partisans, mais ce qui serait le plus intéressant, c'est que l'on fasse la primauté à l'intérêt national. Comme ça, on peut avoir alors des institutions qui ont la confiance de tout le monde, des institutions qui peuvent avoir l'aval de la communauté tant africaine qu'internationale, et éviter par cette voie-là l'isolement dans lequel nous sommes et qui risque, si jamais on n'y prend pas garde, qui risque d'ensevelir notre nation. On n'a pas droit à l'erreur. J'invite les Burundais à être beaucoup plus lucides, à sacrifier ce que l'on croit que l'on a gagné d'office pour l'intérêt, surtout des générations montantes.